CNews est sur Europe 1. On va parler des jeunes mineurs qui sont entrés dans la délinquance, ou en tout cas, comment les empêcher de tomber dans la délinquance. Mais j'aimerais d'abord qu'on écoute des témoignages assez édifiants qui ont été recueillis par Charles Huillier, qui est le correspondant d'Europe 1 à Montpellier. Bonsoir Charles, vous êtes en direct avec nous depuis Montpellier précisément. Bonsoir, parce que vous êtes en reportage là-bas. On va écouter d'abord le premier de vos témoignages, qui est un guetteur, un jeune homme qui s'appelle Younes, qui estime, lui, que les opérations Place Nette n'ont servi à rien. On imagine bien qu'il ne va pas dire le contraire. Mais c'est très intéressant que vous nous expliquer ensuite comment vous avez recueilli ce témoignage et qui est ce jeune homme. D'abord, on écoute Younes, ce témoignage. Moi, alors ici, mon rôle, c'est de commander les guetteurs. T'as vu, je suis payé 150 euros par jour. J'ai juste à poster les guetteurs le matin et le soir, les déplacer de leur poste et les payer. D'accord. Et ils touchent 130 euros par jour. Ben, je fais le calcul, 150 par jour, après 4000 euros par mois. Et tu vas à l'école ou comment ça se passe? Non, j'ai arrêté tôt l'école. Ici, comme je t'ai dit, t'as eu ta voiture, tu la laisses, tu laisses les clés, ça bouge pas, il n'y a pas de vol. L'opération Place Nette alors? Ouais. Franchement, ça a servi à strictement rien du tout, je te dis la vérité. Ouais, eux, ils viennent, ils bloquent dans le charbon, dans le four, quoi, t'as vu? Mais en fait, nous, derrière, on a des livraisons, nous, t'as vu? On n'a pas que, le point de deal, t'as vu? On a des livraisons, on voit par colis, t'as vu, tu vois? Il n'y a pas que du surplace, quoi. Place Nette, franchement, je vous avoue que ça nous a pas fait mal, ça nous a rien fait. Place Nette, ça sert à rien, franchement, strictement à rien. Bon, alors ça, c'est ce que dit évidemment le guetteur. Évidemment, il ne va pas dire le contraire. On a un policier sur le plateau qui va répondre dans un instant et qui va nous dire que, évidemment, ça sert parce que ça dérange leur business. Mais Charles, comment vous avez recueilli ces témoignages? Parce que, d'abord, le jeune Younes, là, dont vous nous parlez, il a quel âge? Il dit qu'il a arrêté l'école. Il a quoi? Il a moins de 18 ans? Plus de 18 ans? Il a une trentaine d'années parce qu'en fait, lui, si vous voulez, c'est un des grands du quartier, comme on dit, hein, dans ces zones. C'est-à-dire qu'il a grandi, il est né ici, dans ce quartier d'Aiglongue, à Montpellier. Et au fur et à mesure, il a pris du galon. Et en prenant du galon, il a réussi de passer de guetteur à coordinateur des guetteurs. Ça veut dire que, ben, comme il l'a dit, hein, l'interview est très explicite, il vient le midi pour tout simplement faire l'appel, hein, de ses subordonnés, c'est-à-dire les jeunes guetteurs qui ont à peu près 15 ou 16 ans. Il les place à des endroits stratégiques, donc en bas des immeubles ou à l'entrée des cités. Et puis, si vous voulez, le soir, vers minuit, hein, donc il faut bien savoir que des jeunes de 15 ou 16 ans, les guetteurs sont dehors le soir jusqu'à minuit, et eh bien Younes vient les chercher et vient leur donner leurs 130 euros journaliers en liquide, évidemment. Évidemment. On va écouter un deuxième témoignage que vous avez recueilli, Charles Huillier. Là, c'est un guetteur de 14 ans. 14 ans. La voix a été modifiée, mais on voit qu'elle est extrêmement jeune. Lui qui, pareil, il dit qu'il se moque de l'opération Place Nette, mais surtout qu'il raconte son quotidien. C'est assez glaçant. Écoutez-le. Ça me rapporte 100 euros par jour. Ah oui? Ouais. Et pourquoi tu fais ça? C'est comme ça. On est des employés. C'est un point de deal. C'est fait pour les clients, ils achètent et voilà. Tu sais, il y a eu l'opération Place Nette là. Ouais, elle part au patient, on s'en bat les couilles. Faut que le hazi débite. S'en bat les couilles. Faut que le hazi débite tous les jours, le point de deal, il est ouvert. Et nous, les guetteurs, on est fait pour ça, pour crier ahra quand il y a la police. Mais t'as quel âge en fait? Moi j'ai 14 ans, il y a des jeunes de 20 ans, des jeunes de 16 ans, voilà. Place Nette, t'en penses quoi l'opération Place Nette? L'opération Place Nette, je vous dis, il va servir à rien parce que le point de deal sera toujours ouvert. Il y a toujours des toxicomanes qui voudraient leur dose. Et voilà, et nous les guetteurs, eh ben, tant que ça nous paye, voilà. Même dans les autres charbons, ce soit à Figuerolles, à la Grappe, c'est tous les charbons. Va ouvrir, genre. C'est quoi les charbons? Les charbons, c'est les terrains, c'est les points de deal. Mais qu'est-ce que vous voulez vous dire, monsieur? Les places nettes, ça sert vraiment à rien. La police, ça sent vraiment, ça me bat les couilles d'eux, monsieur. Genre, il y a que des clients cachettes, monsieur. C'est ça. En fait, voilà. Mais quand ils viennent, vous partez? Ouais, quand il y a la police, ouais, on part. Et oui, c'est ça. C'est le chat et la souris. C'est comme ça, frérot. C'est terrifiant ce que dit ce jeune garçon de 14 ans. Charles Huillier, comment vous avez fait? Vous avez établi un rapport de confiance avec eux pour qu'ils vous parlent? Évidemment, comme c'est en radio, c'était anonyme, ça a facilité l'échange? Oui, alors déjà, je tiens à couper court à tout soupçon. Il n'y a pas eu d'échange d'argent, hein, voilà, parce que je sais que parfois, ce sont des pratiques qui ont lieu. Moi, hein, pas du tout, j'ai pas donné d'argent, j'ai pas payé ces jeunes pour qu'ils me parlent. Non, ce qui s'est passé, c'est que c'était donc vendredi qu'a été tourné ce reportage. J'ai pu tourner à maintes reprises dans le quartier, ça a pris du temps. J'ai d'abord été voir
Le jeune qu'on vient d'entendre, ce jeune-là, la voix donc juvénile, et d'abord, en fait, il m'a dit « Écoute, si tu veux me parler, il faut demander l'autorisation à Younes, le patron, notre patron des guetteurs. Younes, c'est celui que vous avez entendu la première fois. » Et donc, à partir de là, j'ai parlé avec Younes, on a échangé. Un rapport de confiance hein, s'est installé entre nous, hein, ça a pris environ une demi-heure. Il a fallu que Younes appelle à son tour son supérieur qui a validé. Et puis à partir de là, c'était bon, j'ai pu les interviewer. Ce dont on se rend compte en réalité, c'est que ces jeunes, ces dealers, il y a deux choses. D'abord, ils acceptent de répondre à mon micro parce qu'ils veulent fanfaronner. Dire que, bien voilà, hein, malgré l'opération Place Nette, bien ils sont là. Et bien finalement, ils n'en ont que faire de ce qui s'est passé. C'est pour dire aussi qu'ils n'ont pas peur de Gérald Darmanin, des autorités. Et puis l'objectif également, plus secondaire peut-être, plus anecdotique, c'est d'afficher la réussite. Voilà, parce que dans les quartiers, on aime de manière ostentatoire afficher sa richesse quand elle est là. Et c'est comme ça, à mon avis, que j'ai pu obtenir ces témoignages, donc vendredi dernier. Ce que vous décrivez, Charles, c'est un quartier complètement cadenassé, complètement mis en coupe réglée par les dealers, où la police intervient sporadiquement sur Place Nette, mais où ce sont les dealers qui règnent en maître, on est d'accord? Voilà, alors souvent c'est un terme galvaudé, mais là j'ose le dire, c'est une zone de non-droit, le quartier d'Aiglongue à Montpellier. 300 logements HLM, 1000 habitants, et c'est vrai que c'est une vie qui est finalement dictée, régentée par le trafic de drogue. À Montpellier, hein, on n'a pas les chiffres pour Aiglongue, à Montpellier le chiffre d'affaires mensuel de la drogue c'est environ 200 000 euros, et les chiffres semblent être un petit peu sous-estimés par la préfecture. Mais véritablement, c'est vrai que pendant longtemps, on a acheté une certaine paix sociale dans ces quartiers-là, on a laissé faire, et là finalement, on en paye un peu les pots cassés. Donc véritablement, et les parents laissent faire, parce que quand vous avez un jeune de 14 ans qui certes ne va plus en cours, mais qui tous les jours ramène 130, 140 euros, 150 euros en liquide, eh bien évidemment, on le laisse faire, hein, même si c'est un peu puni par la morale. Voilà, donc en réalité, le trafic de drogue fait vivre le quartier, et finalement, le trafic de drogue a phagocyté ce quartier d'Aiglongue, qui n'est pas un quartier isolé en France, malheureusement. C'est passionnant ce que vous dites, et terrifiant en même temps. Charles, un dernier mot, vous êtes sur place pour aussi rendre compte de l'affaire de la jeune Samara, qui a été battue il y a un peu plus de 15 jours, ou un peu plus, ouais, pratiquement 3 semaines, parce qu'elle voulait se vêtir à l'européenne, à l'occidentale. C'est le même quartier ou c'est un autre quartier de Montpellier? Alors c'est un autre quartier, si vous voulez. Là, c'est le quartier de la Paillade dont vous parlez. Le quartier de la Paillade est un quartier très cosmopolite, hein, parfois en délicatesse avec la laïcité. Et c'est vrai qu'au départ, hein, la genèse de cette affaire, c'est, vous l'avez dit et vous avez raison, un problème de tenue vestimentaire de Samara. Et puis, chemin faisant, le harcèlement est devenu du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui d'ailleurs, et là j'en reviens, c'était il y a une heure, les professeurs se sont mis en grève aujourd'hui, n'ont pas assuré les cours et se sont rassemblés devant l'établissement Arthur Rimbaud pour tout simplement prononcer un discours et, je cite, tordre le cou aux différentes interventions médiatiques qui se sont déroulées durant ces 3 dernières semaines. Samara, de son côté, j'ai pu également rencontrer sa famille, sa grand-mère Christine, il y a une demi-heure, là, hein, elle était au tribunal, et Christine m'a affirmé que Samara n'était pas du tout en état de reprendre les cours en présentiel. C'est pour cette raison que, pour l'instant, eh bien, elle va suivre les cours à la maison. Merci beaucoup Charles L'Huillier, et honnêtement vous avez fait un travail vraiment extraordinaire sur ce quartier-là. C'est une réalité qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, hein. Ça va sans doute faire réagir mes invités en plateau, mais c'est notre rôle à nous de rendre compte de ce qui se passe sur le terrain, et c'est le réel. Voilà, le réel, c'est que les opérations en Place Nette, c'est compliqué, et que ce sont les dealers qui règnent sur les quartiers. Merci beaucoup Charles L'Huillier. Alors d'abord François Pipponi, puis après Reda Bellage qui est policier qui va vouloir réagir. C'est une réalité, tout le monde savait que les opérations Place Nette ne seraient efficace que si c'était sur le temps long. Parce que les dealers, et moi je suis assez impressionné de la maturité du jeune de 14 ans en disant, nous, il faut que ça fonctionne tous les jours. Il y a des clients 100 euros par jour, ils ramènent le voilà, il y a des clients qui viennent. Donc, tant qu'il y aura du business, ben, on fera du business. Donc on sait, c'est le vrai sujet aussi, c'est que s'il y a des dealers, c'est qu'il y a des acheteurs aussi. Bon. Et on sait, et il le dit, hein, ils auront toujours besoin de prendre leur dose des toxiques. C'est ce que dit le plus jeune. Et l'autre sujet, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent.
Et ce n'est pas une opération place nette qui va les empêcher de gagner beaucoup d'argent. Mmh. Ce gamin qui a 14 ans et qui gagne 100 euros par jour et qui doit sûrement faire vivre une partie de sa famille avec, pourquoi voulez-vous qu'il arrête comme ça du jour au lendemain ? Parce que le ministre de l'Intérieur ou la police fait son travail. Mmh. Donc ça va être un temps très très long et c'est le pari difficile de Gérald Darmanin. Parce que la lutte contre le trafic de drogue, ça va prendre des années et des années. Bien sûr. Reda Bellat, vous êtes policier. Les opérations place nette, évidemment, ils ont beau jeu de dire que ça ne fonctionne pas. Ils disent tous les deux la même chose, le guetteur et le petit de 14 ans. Oui, ça les dérange, évidemment, ça dérange le trafic. Ça les dérange. On avait vu des images, j'ai fait un Skype sur pour un de vos plateaux, sur CNews, où dans le 78, vous aviez eu le lendemain de place nette, ou le jour même, des jeunes en scooter qui étaient sortis avec des kalachnikovs pour montrer qu'en fait c'était chez eux. Et nous, on leur a montré en fait que non, c'est pas chez eux et qu'en France, il n'y a pas de zone de non-droit. En tout cas, on fait tout pour pas qu'il y ait de zone de non-droit. Et je pense que, comme l'a dit le monsieur, oui, je pense que c'est. Alors qu'il faut les multiplier. Et en plus de ça, il faut que la police retourne à son cœur de métier. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. La proximité. La proximité, mais le problème, c'est que le policier, on le fait, on continuera à le faire. Il ne peut pas, sécuriser les lieux de culte, lutter contre les violences intrafamiliales, faire les amendes forfaitaires majorées délictuelles pour le stup. À chaque fois, on nous fait des annonces sans nous consulter. Ça, on vous rajoute une couche voilà, sur le dos. On est devenu une police. On est une police de l'actualité. Et le problème, c'est qu'on peut pas être sur tous les fronts. Mais si on veut solutionner ça, ces gars-là, si on passe à 6, parce que la police de proximité, normalement, c'est ça. Hein. C'est vous passez à 6 dans les quartiers de la reconquête républicaine, c'est pareil. Vous êtes à 6 en pédestre. Le collègue il vous pose en fourgon et vous récupère de l'autre côté. À 6, il joue pas avec nous. Excusez-moi le terme. Si on est 6. À l'époque, quand je suis rentré en 98. À 2 ou 3, on pouvait encore se balader en tenue. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut être 6, minimum. Ouais, il faut être au moins 6. Minimum. Et c'est vrai que ces quartiers-là, ce sont des sociétés dans les sociétés. Et les points sub sont gérés comme des entreprises, avec une prise de service, avec une équipe du matin, une équipe d'après-midi. Moi, je l'ai connu à Champigny-au-Bois-l'Abbé avec une équipe qui finissait, par exemple, à 1h du matin. Et il y avait des choufs, comme on dit dans notre jargon aussi, qui avaient moins de 14 ans. Largement moins. À leur prise de service, ils avaient leur petit téléphone, leur petite entrée libre. Et voilà, ils passaient leur coup de fil. Sur les points de deal où vous aviez, ils sont tellement bien organisés qu'à un moment, ils s'adaptent, ils créent les call centers. Maintenant, vous avez... Les call centers. C'est-à-dire que ils ont commencé avec... Pour les drogues dures, par exemple. Pour les drogues dures, le gars qui venait pour se piquer, excusez-moi le terme, il venait dans ce point de deal-là, il montait, il pouvait se piquer sur place, ça évitait, nous, d'interpeller l'individu avec la drogue dure, pour pouvoir, parce que c'est comme ça qu'on remontait avant sur les dealers, c'est-à-dire que les consommateurs nous disaient, voilà, où t'as acheté, j'ai acheté à tel endroit, il était pris en flag de toute façon. Et là, maintenant, ils sont encore adaptés en créant les call centers, c'est-à-dire que l'acheteur, il risque moins. Le vendeur, il risque moins. Des fois, c'est rare, mais l'Uber Sheet n'est pas au courant. En général, ils sont au courant, mais ils font semblant de ne pas l'être. Et puis, ils transportent qu'une petite quantité de stup. Toute petite, qui n'est pas... Et ils arrivent à aller à point A, à point B. Et puis, pour les livraisons, c'est beaucoup plus facile. Et pour nous, pour démanteler, c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr, Joseph Massescaron. Là où les témoignages sont vraiment... Enfin, qui ont été recueillis sont extrêmement précieux parce que ça montre, vraiment, ça révèle au sens chimique du terme que... En fait, là, il n'y a pas de problème d'autorité. L'autorité est admise. Il n'y a pas de problème de hiérarchie. Oui. La hiérarchie est admise. On l'a vu dans ce qu'a dit Charles Huillier. Il y a pas de problème. Il y a une vraie hiérarchie. Il n'y a pas de problème non plus de travail. Il n'y a même pas de problème de responsabilité. C'est curieux. Toutes ces valeurs se trouvent là. Pourquoi ? Parce que, mais c'est ça qui est génial. Là, les deux reportages sont fabuleux pour ça. Ça montre que c'est une contre-société totale qui s'est organisée. Avec sa hiérarchie, avec sa logique, avec sa droit. Quand on dit état de non-droit, bah non, pas état de non-droit. Hein, là, il y a un droit. Seulement, c'est pas le droit. C'est pas le droit. C'est pas le droit de la République, c'est pas le droit des citoyens. Et ça, ces deux témoignages sont extrêmement précieux pour ça. Parce que là, pour le coup, la discipline. Aucun problème. Les châtiments. Pas de problème. Et le gamin de 14 ans, il travaille de midi à minuit. C'est génial. Midi à minuit. Ces deux éléments-là sont vraiment précieux pour ça. Rachel. Avec l'économie. Parallèle. Bah oui, parce que ce qui ramène le cœur, c'est l'économie parallèle avec une jeunesse aussi qui n'accepte plus d'avoir des frustrations et donc qui est focalisée sur l'argent et combien elle va se faire par jour.
Louis Dragnel, formidable travail du reporter d'Europe 1. Encore une fois, on n'a pas envie d'entendre ça. Ça dérange. Hein. Ça dérange, mais c'est la réalité. Et en même temps, je trouve que c'est un éclairage extrêmement... C'est même plus qu'un éclairage, c'est-à-dire que c'est la réalité à l'état brut, avec des témoignages d'acteurs qui vous expliquent... D'ailleurs, je rejoins tout à fait ce que dit Joseph Massescaron, pardon, c'est que leurs propos sont extrêmement clairs, tout est structuré, il n'y a pas d'ambiguïté. D'ailleurs, le discours est assez simple de la avec part une grande maturité. Une grande maturité à 14 ans. Conscience de l'écosystème, de la menace que représentent les policiers pour eux. Moi, à chaque fois, la question que je me pose quand j'entends ça, et particulièrement ce reportage là de Charles Huillier tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer à des jeunes qui gagnent cette somme-là. 100 euros en liquide par jour. Ils gagneront jamais ça dans la vraie vie. Il y a très peu de chances pour qu'ils gagnent ça ou plus que ça. Donc comment est-ce qu'on réussit à convaincre des jeunes de sortir de cet engrenage-là alors que de toute façon on n'a pas à leur offrir une somme d'argent plus importante. Alors évidemment il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui, puis on oublie juste la sanction éventuelle parce que tout y est. François Pupponi. La sanction, elle est rapide et radicale. Et ils savent qu'ils vont soit terminer, soit ils vont mourir plus jeunes, soit ils termineront en prison. Dans les deux cas, c'est une fatalité, mais ça ne les dissuade pas pour autant. Ce qui est stupéfiant aussi, j'ai trouvé dans ces reportages magnifiques, c'est le mot. Oui. C'est le mode de management. Vous voyez, dans les entreprises normales, on essaie d'avoir un management plus participatif. Vous voyez, et là, il y a un respect RH des ressources humaines. Vous voyez, de la façon dont cette entreprise de délinquants est gérée, qui est absolument stupéfiant. Oui, il y a le respect de l'autorité, mais il y a un mode de management qui n'est même plus appliqué dans les entreprises. Qui ont pignon sur c'est pyramidal, hein. Il y a le chef et il y a tout en dessous là. Si on respecte pas la règle, on n'est pas convoqué chez le DRH pour un entretien d'embauche. Le licenciement, il est radical. Joseph, un dernier mot. Joseph Massescaron, mais c'est incroyablement instructif ce qu'on a entendu et le travail de Charles Huillier est extraordinaire. Oui, vous voulez dire un dernier mot ? Je suis vraiment sensible à ce que je viens d'entendre, vraiment, parce qu'il y a tout dedans. Il y a tous les éléments de compréhension dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre, après ce type de témoignage, le fait que l'autorité pose un problème, la discipline pose un problème, la hiérarchie pose un problème. C'est vrai, on ne peut plus pas vous dire autre chose. On parlera de la violence des mineurs dans un instant, on écoutera Gabriel Attal parler des internats éducatifs. C'est vrai qu'il faut tenter ça. Il faut tenter ça, parce que sinon on les laisse entre les mains des dealers. D'abord,